Hasard du calendrier. Le 30 novembre 2022 coïncide la date de ma consultation post-opératoire des métastases pulmonaires à Lyon-Bérard et la webconférence à laquelle je m'étais inscrite quelques semaines plus tôt. Je rentre juste à temps pour pouvoir écouter la fin de la conférence et surtout prendre la parole et témoigner de mon cancer métastatique à cause du HPV. Et ainsi essayer de sensibiliser le grand public déjà à l'existence de ce cancer et surtout aux outils que l'on a incroyables pour l'éviter grâce à la vaccination des jeunes et également évidemment le dépistage précoce. Vous le savez, dès que je peux, je témoigne. C'est devenu un petit peu mon cheval de bataille et un outil thérapeutique et cathartique à la fois. J'ai également l'occasion de parler de mes deux blogs, de ma chaîne YouTube, de mon compte Instagram et de tout ce qui permet effectivement de relayer un petit peu cette parole. J'ai envie de te dire que la vie est belle, qu'on a tous une place. Au soleil, à tes pieds sont cachés des mondes, des merveilles, un baiser volé. Te lève de ton sommeil, j'ai envie de te dire que la vie est belle comme une solution aux problèmes, que le vent se lève de temps en temps, nous serons heureux pour l'éternel, que tu peux traverser la nuit sans tomber, que tu peux rêver de grandes échappées, que tu peux aimer sans renoncer. Tu verras, mon amour, que la vie est belle. Tu verras tous les jours des nuits sans sommeil, mes gants de velours dénoueront tes chaînes et nous serons heureux pour l'éternel. Tu verras, mon amour, que la vie est belle. Tu connaîtras ce jour sans pareil, mes gants de velours dénoueront tes chaînes et nous serons heureux pour l'éternel, que tu peux traverser la nuit sans tomber, que tu peux rêver de grandes échappées.